Allô, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il est enfin temps pour nous de te faire la présentation de notre van et de son aménagement. Alors, elle est juste derrière nous, c'est une Dodge Caravan. Ici, c'est une voiture familiale qui peut transporter 7 personnes. Donc, c'est elle qu'on a choisi d'aménager pour pouvoir voyager avec, plus dans l'esprit d'un voyage minimaliste. Et on te fait voir ça tout de suite plus en détail. Pour ce qui est du véhicule, c'est donc un Dodge Caravan 2011. On l'a acheté l'année dernière. Il avait à peu près 80 000 kilos. Aujourd'hui, on est rendu à 100 quelques 1000 kilos juste en faisant les fins de semaine avec. À la base, on avait acheté un kit déjà fait d'aménagement à l'intérieur. Et donc, on a décidé de changer parce que celui-ci convenait pas vraiment à nos besoins. On a préféré faire notre kit nous-mêmes et ça nous permet aussi de le mettre et l'enlever sans toucher à la structure du véhicule. Sur le véhicule en tant que tel, on a fait aucune modification, si ce n'est que les vitres teintées à l'arrière pour avoir un peu plus d'obscurité le matin et aussi de pouvoir cacher l'aménagement et de ne pas montrer aux gens facilement qu'il y a un aménagement à l'intérieur. Donc voilà la cuisine. Nous, on a décidé de faire la cuisine en fonction de ma taille. Donc on a fait le lit d'abord, on a pris les mesures, on a pris quelques centimètres de plus pour être confortable et bien dormir, et on a ensuite fait toutes les parties de la cuisine avec les dimensions qu'on avait déjà prises. Donc ici, on a décidé de mettre 3 bidons d'eau d'environ 10 litres chaque bidon, qui sont retenus par une petite sangle quand on roule, on vient les fixer, et qui sont aussi retirables facilement. En dessous, on retrouve la glacière à compresseur qu'on vient débloquer avec un petit loquet sur le côté et qu'on fait glisser vers l'extérieur pour récupérer la nourriture. De même, juste ici, on a un petit emplacement qu'on garde pour mettre tout ce qui est nourriture ou du stock qu'on ne sait pas vraiment où ça va habituellement. On vient le ranger juste ici dans la petite case. Ici, on a fait un comptoir escamotable avec une petite partie plastifiée sur le dessus pour pouvoir protéger le bois de la chaleur et de l'eau. Donc on a une petite glissière sur le dessous qu'on vient tirer pour pouvoir faire en sorte que le comptoir reste positionné, et on a notre plan de travail de cette façon là. Sur le dosseret de la cuisine, on est venu mettre différentes petites boîtes pour pouvoir mettre les ustensiles de cuisine, les ustensiles pour faire la vaisselle, éponge, liquide vaisselle et tout ce qui va avec, sel et poivre, huile. On a les petites lingettes pour tout ce qui est hygiène, brosse à dents, brosse à cheveux, etc. Sous la partie du comptoir escamotable, on va ranger nourriture et tous les ustensiles de cuisine. Les assiettes, le papier d'aluminium, les verres, les tasses, le bonhomme pour le café, etc. Et donc sur la dernière partie de la cuisine, on retrouve tout en haut un petit caisson légèrement creusé pour pouvoir mettre la batterie et faire en sorte qu'elle ne bouge pas lorsqu'on roule. La petite passoire escamotable pour pouvoir faire la vaisselle. On vient pouvoir se servir de cette façon. On a aussi mis un dernier petit bidon d'eau au cas où et tous les ustensiles pour faire la cuisine. Donc les poêles, marmites et passoires pour les pâtes. Voilà l'intérieur de la van. Donc on vous l'avoue, c'est pas très grand, mais ça nous suffit largement. Alors comment on a construit ça? C'est que c'est fait en trois parties. On a trois caissons. Le plus grand, c'est celui du fond qui est juste derrière la cuisine. Pour l'instant, il est vraiment loin d'être rempli. Il contient un peu un bordel, tous les trucs qu'on n'utilise vraiment pas souvent, mais qu'on emmène toujours au cas où. Le deuxième caisson ici, c'est celui où on range nos vêtements. Donc il est fait avec des tiroirs où on met nos vêtements. Donc on a chacun les nôtres, dont un qui est tout petit ici. Donc en fait, le matin, quand on est allongé dans le lit, eh bien, on en retire juste la partie centrale
et on a juste à ouvrir les tiroirs pour prendre nos habits et pouvoir se changer. Ensuite, on a le dernier caisson ici qu'on appelle la banquette. Lui, c'est celui qui contient les choses dont on a le plus souvent besoin parce que c'est le plus accessible. Donc on a nos chaises de camping, d'habitude on a nos chaussures, nos manteaux, voilà, nos duvets des fois pour la nuit. Donc c'est lui qui est le plus souvent utilisé. Chaque caisson a donc son matelas, donc le plus petit qui va ici et le plus grand qui vient se placer au centre pour quand on est en mode lit le soir. Pour savoir comment on fonctionne en mode lit, c'est que on prend la table ici qui elle a le pied de table mais aussi des ailettes qui se décollent comme ça, qu'on vient poser sur les gouttières le soir. Fait que là on n'est pas bien ajusté, mais qu'on vient poser sur les gouttières sur les côtés le soir, ça complète le lit, on rajoute les matelas et le lit est fait. Et hop, ça se colle avec des aimants facilement. Donc vous l'aurez compris, ce qui nous sert pour compléter la base de lit, c'est aussi notre table. Comment on fait pour l'installer? C'est que on vient chercher notre pied de table juste ici. On le met dans le trou. Hop, on la fixe bien. Et ensuite, on vient l'insérer dans le socle de la table. Et voilà, la table est installée donc pour manger comme ça à l'intérieur. Les journées de pluie, on est confortable, on a de la place pour deux. Ça sauve les journées d'intempéries. Pour l'enlever, c'est tout aussi simple. On défait ça, on range le pied de table. Et voilà. Pour ce qui est des ajouts qu'on a fait aussi, vous pouvez le voir que ici on a un sol qui n'est pas le sol d'origine de la voiture. À la base il y a une moquette, sauf que la moquette ça aspire toutes les cochonneries, tout s'y coince, c'est compliqué à nettoyer, surtout qu'on fait tout le temps des allées et venues dans la voiture. Donc on a décidé de rajouter un sol en vinyle qui est facilement soulevable pour avoir accès au rangement sous la voiture. Donc les Dodge Caravan, certains modèles ont la capacité Stow and Go où on peut normalement ranger les sièges et les rentrer dans le sol. Nous on a retiré les sièges de la voiture, les sièges passagers arrière, et on utilise les rangements pour ranger le bois quand on veut faire des feux de camp le soir. Donc on les ouvre pas 20 000 fois par jour, donc on a juste à tasser le caisson, tasser le tapis, récupérer notre bois et puis c'est tout. Donc voilà pour le sol, puis on est vraiment content, c'est vraiment plus facile à nettoyer. Pour te faire voir les petits gadgets qu'on utilise, on a chacun nos lumières de chaque côté dans la voiture pour la lecture le soir. On utilise aussi les accoudoirs originels de la van pour nos tables de nuit avec nos flashlights pour le soir. On a aussi une petite guirlande qui nous permet d'avoir une veilleuse plutôt discrète aussi la nuit. On a aussi chacun de notre côté un ventilateur. En ce moment c'est plus vraiment utile mais on en avait bien besoin cet été. Ils sont accrochés, ils bougent pas, puis on peut les diriger où on veut. On a les rideaux aussi, ça je vous referai pas toute la démonstration, mais les rideaux, on avait déjà fait une vidéo sur comment les fabriquer et comment ils sont installés. Et puis, c'est pas mal le tour de l'intérieur. En fait, c'était pas tout, j'avais oublié de vous le dire. On a installé des cartons noirs ici sur les deux fenêtres, les plus à l'arrière, et on les laisse en permanence. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai oublié de vous le dire, parce que nous, on les voit plus. En fait, on n'en a pas besoin quand on roule, et du coup, ça reste en permanence, et la nuit, c'est bien pratique. On est tout le temps vraiment dans l'obscurité avec les rideaux fermés. C'est la solution qu'on a choisie, donc eux, ils sont tout le temps ici. On a aussi un petit rideau roulé ici que lui on vient le bloquer dans les plastiques arrière ici le soir.
Donc voilà pour ce qui est finalement de l'obscurité pour la nuit. Parce que je suis un peu une maniaque de ça. Équipement, on a gardé la même ligne directrice que notre aménagement du van. On a choisi des équipements petits, compacts et efficaces. Pour le réchaud, on est allé avec un réchaud, un brûleur. On n'en voyait pas l'utilité d'en avoir deux, puis après avoir fait la saison, on en est quand même relativement content. La particularité de notre brûleur, c'est qu'on peut utiliser à la fois des bonbonnes de propane et des petites bonbonnes de butane. Donc pour les réservoirs d'eau, on a décidé de prendre ce format-là. Des bidons de 10 litres, on en a 3 exactement, et un petit de 4 litres. Donc ça nous permet quand même de tenir 2 ou 3 jours en faisant la vaisselle, puis pour boire l'eau tout simplement. Pour la glacière, on est allé avec une Alpicool de 15 litres. Étant donné qu'on avait fait la cuisine en fonction de l'espace du lit, on était obligé de prendre le plus petit format à compresseur qu'on pouvait trouver sur le net. Donc ça ressemble à ça. Donc pour pouvoir tenir la glacière et tous nos ustensiles sur la charge de la batterie, nous on est allé sur un modèle de ce format-là, une Jacquery 500, donc qui nous permet de brancher directement nos laptops, nos appareils photo ou nos cellulaires en USB ou avec une prise ordinaire. On a pu remarquer qu'on tenait à environ 48 heures sur la charge quand la glacière tournait non-stop, constamment. Et si on voulait recharger la batterie, on avait deux méthodes. On avait notre méthode quand on est à l'arrêt, avec des petits panneaux solaires dans ce format-là, une fois encore compact, qu'on pouvait mettre sur le toit rapidement, quand même relativement discret aussi. Donc les panneaux solaires, eux, font 60 watts, et après utilisation, je peux vous dire que ça nous permet de maintenir la batterie en charge s'il n'y a pas trop d'ustensiles branchés dessus. La deuxième méthode pour recharger la batterie, c'est qu'avec une prise allume-cigare ordinaire, je pouvais la ramener juste ici dans ce trou là et la brancher à l'auto quand on roule. Du coup, on n'a jamais manqué d'énergie durant nos escapades. Donc pour les périodes où on roule, on avait deux problèmes à résoudre. Le premier, c'était qu'il fallait que ce soit confortable pour Quentin à l'avant, qu'il ait assez de place pour ses jambes. Le deuxième, c'était éviter que l'aménagement bouge dans la voiture au moment des freinages ou des accélérations. Alors, ce qu'on a trouvé comme solution pour ces deux problèmes-là, c'était de commencer par venir rapprocher le caisson ici, le rapprocher du milieu. Et à ce moment-là, Quentin pouvait reculer son siège et avoir la place qu'il lui fallait à l'avant pour conduire. Et une fois que le caisson était rapproché du milieu, il nous fallait la solution pour éviter que l'aménagement bouge. Donc ce qu'on a trouvé, c'est simplement de fabriquer un tasseau comme ça avec des fixations. Par exemple, on a les fixations femelles fixées ici et les fixations mâles se retrouvent en bas des caissons. Donc il y en a un ici et un sur le caisson du fond. Et alors à ce moment-là, le tasseau vient les relier. Ça permet que tout est d'un seul tenant et il n'y a plus rien qui bouge parce que la cuisine au fond du coffre de la van et elle est bien bloquée, elle est vraiment serrée contre les parois, donc il n'y a plus rien qui bouge. Et il y a aussi des petites cales qui sont en arrière de nos sièges qui permettent au caisson 1 aussi de rester bien en place, le petit caisson ici. Fait que ça fonctionne bien pour nous pour l'instant. Donc conclusion, est-ce qu'on est content de notre van? Est-ce qu'on est content de notre aménagement? Après avoir voyagé tout l'été, ça va être un grand oui. Mais on a vraiment aimé ça, l'aménagement de notre van. Ouais, en fait, on trouve que ça correspond vraiment à nos besoins, à notre façon de voyager. En fait, on est plutôt des gens minimalistes, on préférait avoir moins de confort, pas une tonne d'équipement, mais plus justement profiter de l'extérieur, apprécier là où on se trouve. Donc ça nous correspond vraiment pour ça. La seule chose, que c'était un équipement qu'on voulait absolument et puis que quand on a réaménagé, on a fait en sorte de l'avoir, c'était la table. Vraiment, on n'échappe pas aux journées de pluie, même quand on voyage. Donc ces journées-là, on était bien contents de pouvoir installer la table et puis manger à l'abri des intempéries. Donc ça, pour nous, c'était un must.
Puis sans forcément vouloir juger, comparativement au gros VR, on a quand même des désavantages ou des avantages à être dans une minivan. On est quand même pas mal plus discret, on a pas mal plus de facilité à se parquer, peu importe où on va, que ça soit pour la nuit ou pour visiter une ville. Parfois, on a pu voir même des pancartes que les VR pouvaient pas se parquer, même dans les rues citoyennes habituelles, dans le fond. Ouais, en fait, les villes touristiques commencent vraiment à filtrer les stationnements, etc. Donc, ceux qui sont gros, ils peuvent pas rentrer dans des places normales. Et à certains endroits où ils auraient eu la place, c'est interdit. Donc, nous, pour ça, on était contents. On arrivait, on trouvait une place et on était garés, c'était fait. Un autre avantage, c'était que nous, on trouve qu'au niveau budget, finalement, c'est vraiment plus accessible. Premier point, c'est au niveau du budget d'achat par rapport à un gros VR, c'est clairement pas la même chose. Nous, on a acheté la voiture normale, puis après, du matériel, du bois, etc., on a aménagé, mais c'était pas du tout le même budget. C'est aussi plus accessible au niveau du fait de l'aménager. Oui, on a moins de bois à acheter pour tout ce qui est structure, pour les placards. Du coup, le budget vient encore une fois se réduire. Donc, c'est moins compliqué. Oui, aussi. Je pense que je suis pas un grand bricoleur. On a fait ça avec très peu d'outils dans notre appartement. Donc, on a quand même pu faire de quoi qui est fonctionnel, qui soit quand même relativement beau aussi, d'après moi. Et sans forcément sortir pour un budget qui nous a coûté les pieds et la tête. C'est des pieds et des mains, mais... pieds et des mains, oui. Donc voilà, aussi au niveau de la consommation, clairement ça n'a pas la même consommation qu'un gros VR, fait que pour toutes ces raisons-là, nous on n'échangerait vraiment pas, on le sait pas plus tard, mais pour l'instant clairement c'est ce qui nous convient. Donc pour nous c'était une grande réussite, on a passé un super bel été, on va encore continuer cet automne. Notre projet aussi, on se l'est beaucoup fait demander, c'est un petit état des lieux du budget. Maintenant que c'est pas mal terminé, nous on voit plus vraiment d'amélioration à faire. Donc on va essayer de vous ressortir nos différentes factures pour le matériel, puis de vous consigner ça dans des petites catégories différentes, puis vous faire un topo de c'était quoi le budget d'aménagement. Donc on vous laisse là-dessus. Ouais, puis peut-être qu'on se croisera sur la route. Et que à la prochaine. Bye. Bye.